Dernière partie, le petit déjeuner. Le petit déjeuner est souvent le plus négligé des repas par le sportif, et le plus négligé en général. Pourtant, il doit être considéré comme un repas essentiel et inclure les différentes catégories d'aliments que nous avons mentionnées précédemment. Il doit inclure une ou deux boissons, verre d'eau, thé, café, jus de fruits dilué, car le jus de fruits en général est trop concentré en sucre, un apport de glucides à IG bas ou modéré, par exemple du pain complet ou des flocons d'avoine. On évitera les céréales du commerce qui sont trop riches en sucre simple et raffiné et qui ont un index glycémique trop élevé. Le but sera d'éviter d'avoir une hypoglycémie plus tard dans la matinée. Un ou deux fruits, un apport en protéines, des œufs, du fromage blanc par exemple, et une portion de lipides, par exemple du beurre ou de la purée d'amande, qui est nutritionnellement très intéressante car elle apporte des oméga-3 et apporte un sentiment de satiété malgré son apport calorique qui est lui conséquent.